d'être là aujourd'hui, maintenant, à cet événement qu'on organise en tant que Biplanète. Donc, l'idée est d'aborder le soutien aux projets citoyens durables et solidaires dans les communes, et donc, évidemment, ce, au travers notamment de budgets participatifs. On va aller jusque 12h30, on va essayer de bien respecter les temps, parce qu'on sait qu'on a tous des agendas bien chargés. Je propose de bien vous renommer en cliquant droit sur votre image ou votre vidéo. Vous avez la possibilité de vous renommer pour mettre votre nom, votre prénom, éventuellement votre commune ou association. Comme ça, quand éventuellement vous prendrez la parole, tout le monde peut voir bien qui vous êtes. Je vais faciliter. Donc moi, je suis Aurore de Biplanète et je suis avec deux collègues, plusieurs collègues en fait, qui sont aussi derrière les écrans pour animer cet événement. Et on vous propose de mettre les questions dans le chat quand vous en avez et on va gérer de manière à ce que un maximum de vos questions soient traitées dans les différents échanges. Maintenant, entre-temps, essayez de peut-être couper vos micros pour éviter tout arrière-fond de bruit qui pourrait être difficile pour tout le monde. Donc, voilà, ça c'est le cadre pour aujourd'hui. Et comme on est beaucoup, on va vous proposer de vous situer sur qui est là avec un petit Google Slide dont on va vous mettre le lien dans le chat tout de suite et où chacun va pouvoir aller mettre son nom, sa fonction, éventuellement sa commune. N'hésitez pas à démultiplier les cadres, j'en ai déjà fait quelques-uns, mais allez démultiplier, comme ça on peut avoir un peu une vue sur qui est là. C'est un lien qui va rester dans le chat et vous pourrez toujours retourner voir pour voir qui est là. Est-ce que vous l'avez bien reçu? Voilà. Et donc, voilà, n'hésitez pas à mettre vos noms, prénoms. Fonction éventuelle, commune un peu, ce qui vous semble en tout cas pertinent pour être identifié par tout le monde qui est là. Donc, on va laisser une petite minute pour que chacun puisse se présenter, entre guillemets. Voilà, et pour la clarté pour ceux qui. Pour qui c'est nécessaire, je vais quand même lire quelques noms, notamment pour Manon et Frédéric. Il y a donc la province de Namur qui est là, il y a Polex-Soigny, il y a des communes de Bruxelles, Schaerbeek notamment, il y a la Maison de l'alimentation durable et inclusive de Liège, chargée de projet à La Louvière, la commune de Hamay. La commune de Houpeil, Charleroi, Mons, Gouvy, Wallin, Etterbeek, mes excuses si je n'ai peut-être pas toujours tout le monde. Il y a la Fondation pardon, rurale de Wallonie qui est parmi nous également. Il y a l'UVC, oui, qui est là aussi, l'Union des villes et des communes de Wallonie. Il y a La Louvière. Et donc, j'ai un collègue qui va nous aider à mettre ça un peu lisible si à un moment ça le devient moins. Mais donc, c'est un lien auquel vous pourrez toujours retourner, vous référer si vous posez les questions de qui est là. Et ça donne en tout cas des idées sur la représentativité du public aujourd'hui. Et donc, on a évidemment Philao ASBL de Namur aussi qui est là. Forêt aussi. Voilà, ça donne un peu une idée de tout ce petit monde présent et merci, merci d'avoir joué le jeu. Alors, maintenant qu'on a posé un peu le cadre de cet événement du jour, le menu de ce jour, c'est tout d'abord, on va vous passer une petite vidéo de la ministre, Madame Céline Tellier, qui n'a pas su être présente aujourd'hui, mais qui nous a fait une petite vidéo pour introduire cet événement. Ensuite, ma collègue Laurence, qui est depuis les débuts chez Biplanète, vous expliquera les grandes lignes de budget participatif, pourquoi on en fait et qu'est-ce que Proximity propose
dans ce contexte. Et alors, pour vraiment avoir une expérience, enfin des témoignages concrets, on a quatre témoignages qui auront lieu. De la commune d'Oupey, qui a fait un premier budget participatif cette année-ci. L'ASBL Philao avec Manon et Frédéric qui vont nous parler d'inclusion aussi dans ce budget, dans ces appels à projets. Monsieur Christophe Schoen, qui fait partie du conseil d'administration de Biplanet, mais qui préside aussi certains jurys et qui pourra vous parler d'une expérience un peu plus concrète en termes de jury, de ce genre de processus. Et enfin, Charleroi, qui a déjà fait deux éditions de budget participatif et qui va bientôt en lancer un troisième. Et donc, on espère que tous ces témoignages nourriront vos réflexions par rapport au budget participatif. Comme dit précédemment, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à lever la main et on va faciliter, faire au mieux pour que toutes les questions soient traitées. Et si elles ne le sont pas, mais c'est une suite qu'on pourra donner aussi après l'événement et éventuellement vous mettre en contact avec un des témoins si la question est plus précise pour quelqu'un. Donc voilà, je propose de commencer avec la vidéo de Madame la ministre. Et donc, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je n'ai malheureusement pas pu me joindre à vous pour des raisons d'agenda, mais je tenais tout de même à vous adresser ce message vidéo. Inutile de vous rappeler, bien sûr, la crise écologique que nous traversons à l'échelle de l'humanité. Inutile aussi de mettre en évidence les constats alarmants du GIEC qui se succèdent. Inutile de vous rappeler tout ce que vous savez déjà. Ce présent nous oblige, pour nous et surtout pour nos enfants et petits-enfants, à changer de modèle de société. Plus question aujourd'hui de fermer les yeux sur nos impacts environnementaux et climatiques. Nous devons plus que jamais travailler ensemble pour la réalisation de nos politiques d'adaptation à ces changements climatiques. Chaque dixième de degré supplémentaire que nous pouvons gagner dans la lutte contre le réchauffement climatique compte. Pour y arriver et pour construire cette résilience partagée, il nous faudra construire des partenariats forts entre les acteurs politiques et les acteurs de la société civile. J'insiste sur ce point. Les partenariats entre des associations, des citoyens et des pouvoirs locaux, dans le cadre de la campagne Proximity, par exemple, sont essentiels à cette transition. Parce qu'en rassemblant nos forces, nous sommes en mesure d'aller plus loin, d'avancer plus vite et surtout de manière beaucoup plus pérenne. Cela nous permet aussi de partager nos expériences et nos savoir-faire. Il nous devient alors possible de répondre à des questions fondamentales à la réussite de la transition écologique et solidaire. Par exemple, la question de l'inclusion de publics n'ayant pas pour habitude culturelle de participer à ce type de projet, ou bien la question encore de la fracture numérique et de la participation de nos aînés. Un modèle de société durable ne peut faire l'impasse sur tout un pan de sa population. Et enfin, sans être exhaustive, il y a aussi un enjeu majeur auquel seul un partenariat fort peut répondre, l'inclusion des personnes les plus précaires. L'ONU, à l'unanimité de ses membres, avait d'ailleurs adopté le principe du Leave No One Behind, ne laisser personne sur le côté, afin de mettre sur pied un développement plus durable de nos sociétés tout en affirmant l'importance des conditions sociales de nos concitoyens. La transition ne se fera pas sans soutenir celles et ceux qui éprouvent des difficultés à finir leur fin de mois. Elle ne se fera pas sans les jeunes non plus qui ne parviennent pas à s'insérer sur le marché du travail. Au contraire, la transition est notre dynamique à toutes et à tous. La campagne Proximity en est un moteur, mettant en selle des projets participatifs. Et je tenais bien sûr à saluer votre engagement. À vous saluer, vous, associations, pouvoirs locaux, citoyens, qui êtes à la fois les ingénieurs de cette transition écologique et solidaire en construisant des projets de A à Z, mais aussi les bâtisseurs de cette transition en mettant en œuvre ces initiatives, ces idées, en investissant de votre temps et de votre énergie. Je souhaite donc vous témoigner ma profonde reconnaissance envers vos actions et votre énergie. Ce sont parfois les citoyens et les associations qui, par leurs idées ambitieuses et leur détermination, galvanisent les responsables politiques pour qu'ils se battent pour cette transition. Je vous remercie, je vous souhaite d'excellents travaux et surtout que vos échanges soient fructueux. Voilà. Alors, je repars sur la présentation, si ça veut bien, tant que ça bug.
Ah. Un bug. Pourquoi je n'arrive plus à sortir? Bon, mes excuses, j'ai un souci technique. Hop, je vais recommencer le partage de mon écran. Parce que du coup, il faut vraiment. Voilà, est-ce que vous voyez un slide de la Fondation Biplanète? Oui, c'est bon. Alors, je passe la parole à ma collègue Laurence, qui est là depuis le début de Biplanète et qui a fortement contribué à son émergence et donc qui va pouvoir vous parler de Biplanète Proximity et budget participatif. Oui, merci Aurore. Bonjour à tous. Ravie d'être avec vous et de vous voir nombreux intéressés par tout ce qu'on peut développer autour des budgets participatifs. Alors, juste un petit mot sur la fondation Biplanet. C'est une fondation belge qui a été créée il y a en 2015, reconnue d'utilité publique, et c'est une initiative des fédérations environnementales. Donc, c'est les associations environnementales qui, ensemble, ont décidé de créer cette fondation pour soutenir les projets citoyens durables, avec la volonté vraiment de créer des ponts entre les citoyens, les associations, les pouvoirs publics locaux, les entreprises, d'autres fondations également. Et donc vraiment l'idée, c'est de renforcer cette transition écologique en soutenant la société civile, en pouvant soutenir les dynamiques citoyennes sur le territoire. Et donc on a pu déjà soutenir plus de 300 projets partout en Belgique, et donc avec un montant de plus de 2 millions d'euros déjà dans la transition écologique et solidaire ici en Belgique. Voilà, alors budget participatif. Pourquoi un budget participatif? Bien sûr, la première chose, c'est vraiment pour renforcer la participation citoyenne. On parle beaucoup de démocratie participative, mais comment le faire? Il y a plein d'outils différents, mais le budget participatif est un des outils qui est super apprécié, très fort apprécié par les citoyens, qui est relativement facile à mettre en œuvre si on le fait bien. Et on va vous proposer justement l'accompagnement que fait Biplanet pour mettre en œuvre ce budget participatif. Et donc, ça donne évidemment cette confiance aux citoyens qui peuvent participer à certaines décisions communales, qui peuvent participer justement à l'amélioration du cadre de vie et par exemple proposer des projets en faveur de la transition écologique, en faveur de la lutte contre le changement climatique. Et donc, le budget participatif permet de renforcer la dynamique citoyenne et aussi de répondre aux objectifs du développement durable. Et plus particulièrement, les deux objectifs auxquels le budget participatif répond, et notamment quand on travaille dans notre proposition autour de Proximity, c'est l'objectif 11, ville et communauté durable. La participation, la durabilité est au cœur de ces budgets participatifs. Et le partenariat, donc l'idée d'être en partenariat avec les citoyens, en partenariat avec les associations, un partenariat avec des entreprises sur le territoire éventuellement, c'est vraiment les deux gros objectifs auxquels Proximity répond. Mais bien sûr, tous les projets citoyens associatifs soutenus à travers Proximity, et je vais tout de suite détailler Proximity, contribuent à plein d'autres objectifs du développement durable, bien sûr, comme la lutte contre le réchauffement climatique, la réduction des inégalités, etc. Donc, vraiment, on est au cœur des objectifs de développement durable. Alors, Proximity, c'est vraiment l'idée derrière cela. Biplanet a créé Proximity vraiment pour essayer de créer un partenariat au niveau local entre communes, citoyens et associations. Et ce partenariat est créé en faveur de la transition écologique et solidaire. Et donc, Proximity, c'est un programme de 1 an à 18 mois, un programme clé en main pour les communes, avec l'objectif de soutenir évidemment les projets citoyens et associatifs, développer et renforcer les liens, construire un réseau d'acteurs sur la commune, donc entre citoyens, citoyens et associations, pouvoir public, association, aussi bien l'administration que le pouvoir politique local. Et c'est vraiment important parce que quand on a un réseau, on est vraiment plus fort et comme disait Madame la Ministre, évidemment, un réseau permet d'aller plus loin, d'être plus pérenne et on est renforcé à long terme. Aussi, Proximity permet aussi de
évidemment, continuer à sensibiliser tout le monde, la population, mais aussi l'associatif, etc., autour des enjeux de la lutte contre le changement climatique. On sait combien c'est important. Et voilà, c'est un programme de 12 à 18 mois, je l'ai déjà dit. Alors, comment ça se passe, Proximity? Voilà, quelques étapes de ce programme. Donc, la première étape, mise en place de l'écosystème, c'est-à-dire que, bien sûr, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui existe déjà sur le territoire. Le territoire vit, on ne part pas de rien. Sur chaque commune, sur chaque territoire, parfois on travaille sur plusieurs communes regroupées, eh bien, il y a une dynamique citoyenne, associative, il y a une administration communale, il y a un pouvoir politique. Et l'idée, c'est de rencontrer ces acteurs et de construire un proximity adapté au territoire. C'est pas un proximity n'est pas une proposition toute faite. Chaque fois, on l'adapte au territoire. Les territoires sont très différents. Vous allez entendre le témoignage tout de suite de Houpey ou Charleroi. Et bien évidemment, c'est deux territoires super différents. On crée un événement de lancement auquel toute la population est invitée. Et puis, deuxième étape, on passe à l'appel à projet. L'appel à projet, on travaille avec les citoyens pour les aider à construire leur projet. Donc, ce n'est pas juste on fait un appel à projet et les citoyens, les associations peuvent répondre. Non, on les aide à construire leur projet pour que leur projet soit meilleur. Et puis, on passe au jury. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un jury qui est neutre, indépendant, dans lequel il y a parfois des citoyens, de plus en plus souvent des citoyens. Cela donne confiance à la population que les citoyens peuvent participer au jury. Ils peuvent eux-mêmes décider des projets qui pourront se développer, les projets citoyens qui pourront se développer sur leur territoire. Et donc, on a des citoyens, des experts dans le jury. Et donc, on peut avoir une belle sélection de ces projets. Mais ça ne s'arrête pas à l'appel à projet, Proximity. Après, on a une campagne de mobilisation ou d'accompagnement des projets. Donc, la mobilisation, c'est une option, c'est d'aider les projets à aller rechercher un soutien complémentaire auprès de la population ou les acteurs du territoire. Donc, les projets font appel à de l'aide matérielle, à du bénévolat, par exemple, compétences en graphisme, j'ai besoin d'une remorque pour mon projet, etc. Et tout ça est facilité par Proximity. Et ensuite, on peut aussi accompagner les porteurs de projets dans la réalisation de leurs projets. Donc, on leur donne des conseils personnalisés. On a aussi des formations collectives pour eux autour de la gestion des bénévoles, autour de la communication, de la gestion de projet, etc. Tout ça est possible. Et enfin, la dernière étape, mais en fait qui est une étape qui peut se dérouler sur toute l'année, à différents moments de l'année, on crée des événements inspirants qui peuvent être par exemple la diffusion d'un film, d'un documentaire, mais ça peut être du théâtre, ça peut être le témoignage d'autres porteurs de projets, d'autres territoires de Belgique. Tout ça, l'idée, c'est d'inspirer les citoyens, inspirer les associations pour qu'elles fassent partie, évidemment, de ce mouvement pour créer une société plus durable et pour participer à cette lutte contre le changement climatique. Donc, voilà pour, en bref, pour les étapes de Proximity. Alors, quels sont les bénéfices pour un porteur de projet? Bien sûr, il reçoit un soutien financier à travers le budget participatif. Il a une aide pour construire son projet. Il est mis en réseau avec les acteurs locaux. Il rencontre l'administration communale. Il rencontre le pouvoir politique. Il y a un dialogue qui peut s'instaurer. Il peut trouver aussi des bénévoles, de l'aide matérielle. Et il a un accompagnement pour la mise en œuvre de son projet. Donc, on voit que Proximity, c'est bien plus qu'un appel à projet. C'est vraiment toute une campagne sur un an et demi, pour vraiment soutenir les projets citoyens et créer ce réseau dans les communes. Et créer ce climat de confiance aussi entre la commune, les citoyens et les associations qui vont porter ces projets ou les collectifs de citoyens. C'est vraiment créer le dialogue, créer la rencontre. Voilà, chacun vient avec son expérience, vient avec sa casquette, on va dire, hein, citoyen, administration communale, pouvoir politique, et chacun peut se rencontrer de là où il est pour favoriser la transition écologique et solidaire. Merci, Laurence. Voilà, je suis arrivée au bout. Merci. Et encore un petit focus par rapport à Proximity, c'est qu'on essaye vraiment d'intégrer l'aspect inclusion, de rendre ces appels à projets, de rendre ces processus
inclusif au sens large du terme, que ce soit l'inclusion de personnes en situation de précarité, en situation de handicap, avec des différences socioculturelles, enfin que ce soit vraiment accessible à tous. Et donc, dans le travail qu'on mène, voilà, on identifie peu à peu des petites pistes et clés qui peuvent aider à être plus inclusif dans ces processus. Et il y a beaucoup de simplification et de prendre du temps d'aller là où les gens se trouvent pour les sensibiliser à ce genre de démarche. Mais le temps filant, je propose de passer assez rapidement maintenant au premier témoignage et de laisser la parole à Cindy Caps et Claudia Marondiou de la commune d'Oupey. Ils ont réalisé leur premier projet budget participatif cette année ici entre l'appel à projet a été fait de janvier à mars et on est en processus de sélection des projets. Le jury a lieu prochainement et elles vont vous partager un peu leur retour d'expérience par rapport à ça. Cindy et Claudia, the floor is yours. C'est à vous. C'est toi qui diffuse le PowerPoint. Oui, voilà, ok. Alors, ben, par rapport à l'introduction, donc moi, je suis en charge de la participation citoyenne sur Oupey. Donc, c'est un élément qui a été intégré nous, dans notre PST, notre plan stratégique transversal lors de la suite aux dernières élections. Donc, à partir de 2019, il a été intégré au sein du PST. On avait une volonté donc, de mettre en place différents processus pour permettre à Oupey d'être une commune plus en lien avec ses citoyens. Donc, à partir de là, on a créé le service de la participation citoyenne en 2019. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose de relativement récent qui fait partie finalement de notre spécificité aussi. Nous sommes dans une commune de 25 000 habitants. La répartition au niveau communal, c'est 7 anciens villages. Donc, ça, c'est aussi important car c'est des dynamiques qui sont peut-être différentes d'une entité à l'autre. Donc, nous, on a 7 anciennes communes qui sont rassemblées avec des réalités parfois un peu différentes d'une ancienne commune à l'autre. Certaines sont plus rurales, d'autres plus urbaines. Donc, notre volonté en créant de la participation citoyenne, ben, c'était clairement d'aller plus à la rencontre des citoyens et de leur permettre à la fois de proposer des idées, mais aussi de les porter à travers différents processus. Donc, pour ce faire, nous avons lancé plusieurs initiatives avant de lancer le budget participatif. Donc, on a fait des expériences un peu pilotes avec, par exemple, de l'aménagement d'espaces publics. On a créé des potagers communautaires, on a lancé des assemblées villageoises qui nous semblaient pertinentes puisque sur l'entité, il faut savoir qu'on a un certain nombre d'ASBL sociales. On a également un certain nombre de comités de fêtes. Et donc, à travers ces comités, il y a déjà toute une série de dynamisation de quartier qui est mise en place, mais pas nécessairement la dimension vraiment... Enfin, c'est plutôt des animations festives que de l'animation et que du développement de quartier. Donc, on souhaitait vraiment mettre en place différents types d'initiatives qui allaient permettre de rassembler des citoyens plus orientés sur les thématiques qui pour leur quartier, ben, qui nous semblaient pertinentes, qui étaient les thématiques de embellissement des quartiers ou cohésion sociale au sein des quartiers ou encore amélioration de l'aspect environnemental. Donc, à partir de là, c'est vraiment cette logique qui nous a fait nous orienter vers le partenariat avec Biplanet, puisque clairement, nous, ce que nous recherchions, c'était à la fois structurer les partenariats que nous avions déjà avec nos ASBL locales. C'était également, comme je disais, donc, aller vers de nouveaux publics, des comités de citoyens qui n'existaient pas nécessairement sur l'entité, ni des comités de participation, ce genre de choses. Donc, c'était pouvoir vraiment intégrer les citoyens qui n'étaient pas inclus dans le milieu associatif. Le deuxième objectif de notre participation avec Biplanet et donc le fait de s'être tourné vers eux, c'est également qu'on avait besoin de techniques d'animation plus spécifiques par rapport à la gestion des budgets participatifs et également qu'ils puissent apporter un soutien à notre administration qui, comme je l'ai dit, est finalement assez jeune dans la mise en place de projets participatifs. Et voilà, avec du personnel qui, voilà, ça compte une personne et demie, donc clairement, c'était aussi
ce renfort que nous souhaitions en travaillant avec Biplanet et qu'ils ont pu nous apporter. Et le troisième objectif qui nous a motivés à créer ce partenariat, c'était aussi le retour d'expérience de Biplanet, puisque clairement notre volonté, et on savait que ça pouvait être compliqué au sein d'une commune, était de faire matcher les attentes des citoyens avec les réalités administratives et communales. Donc, alors pour développer tous ces différents points, je vais donner la parole à ma collègue Claudia, si tu veux bien, pour présenter tout cela plus en détail. Claudia ? Es-tu là ? Excusez-moi, je n'avais pas réactivé mon micro. Ça va, vous m'entendez ? Oui. Voilà. Donc, comme vous avez le voir, on a repris ici avec les Chevines les grandes étapes qui ont été mises en place et qui ont été présentées tout à l'heure. Donc, si je reviens tout en bas, on était un peu plus tôt que janvier 2022. En fait, on a aussi commencé par créer notre écosystème qui existe déjà, mais en comptant plus sur des ambassadeurs, donc des relais possibles du projet. Et donc, comme Léchevine l'a dit, à Oupay, il y a pas mal de comités de fêtes, d'associations, il y a un plan de cohésion sociale aussi avec pas mal d'associations qui touchent directement les citoyens dans leur quartier, etc. Et donc, on les a réunis pour présenter un petit peu la démarche et leur dire surtout qu'on comptait sur eux pour démultiplier notre message et avoir un effet, un effet relais direct. Donc là, on a eu deux séances d'information avec eux pour leur expliquer un petit peu de quoi il s'agissait et on a pu identifier des ambassadeurs qui, dès le début, se sont inscrits, dans la démarche de promotion, en ce compris sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc ça, c'est vraiment important pour faire connaître l'initiative. Alors, après cela, on a lancé toute une campagne de communication multicanale, c'est-à-dire dans la revue communale, sur le site web de la commune, sur la page Facebook. Enfin, on a fait une petite vidéo aussi qui a été largement diffusée pour faire appel au projet citoyen. Et on a la chance, nous, au niveau de la citoyenneté, d'avoir une plateforme existante et qui est spécifiquement dédiée au projet de participation citoyenne. Donc, on a un lieu, on peut tout centraliser. Donc, chacune des étapes qui sont présentées ici, les citoyens ont pu suivre à chaque fois les informations et c'est là qu'on remettait tout. Et donc, on a eu deux séances d'information où on a invité les citoyens qui voulaient rentrer un formulaire de projet à nous rejoindre, dont la première soirée qui était plutôt un atelier d'émergence d'idées. Et donc là, grâce à Biplanet qui nous a mis en situation, les participants ont pu donner des idées de comment on pouvait améliorer le cadre de vie dans les quartiers, comment on pouvait améliorer l'environnement. Et l'intérêt aussi, c'est de les faire échanger entre eux et de créer du réseautage quelque part. Et donc, il y a des gens qui ont pris contact les uns avec les autres. Donc, ça, c'est un aspect intéressant aussi du projet. Et à la deuxième séance d'information, ils sont venus déjà avec des idées au moment où ils remplissaient leur formulaire. Et ça nous a permis aussi de recadrer déjà certaines choses. Alors, on a laissé, nous, l'appel à projet pendant plus ou moins 3 mois. Donc, il s'est clôturé le 31 mars. Et donc là, on a reçu 10 projets. Alors, ce qui est intéressant, comme Léchevine le disait, à Oupay, il y a 7 villages et le hasard a bien fait les choses parce qu'on a des projets qui ont été proposés par des acteurs d'un peu tout le territoire de la commune, aussi bien des jeunes comme des patrons, que des ASBL plus reconnus ou vraiment des citoyens qui se sont mis en association de fait. Donc, on parlait d'inclusion tout à l'heure, ici, on a de la chance, finalement, il y a pas mal de groupes diversifiés qui s'y retrouvent. Et tout de suite, après cela, ça, c'était vraiment important, on a organisé 2 choses. D'abord, une réunion avec l'ensemble des porteurs de projets pour voir s'il y avait des choses qui se ressemblaient, des expertises à partager, etc. Et très vite aussi, une réunion d'échange avec les services de l'administration et avec le collège communal qui a validé les grandes lignes directrices pour vraiment passer à la phase de recevabilité et de faisabilité, puisque
comme l'a dit Léchevine, faire matcher les rêves des citoyens et puis le cadre administratif, que ce soit d'un point de vue budgétaire, mais aussi d'un point de vue technique, mettre en phase les projets. Est-ce que ça va être possible pour le service travaux de réaliser ce que les citoyens proposent? Est-ce que le conseiller en mobilité, il va trouver pertinent la proposition de réaménagement d'une place des citoyens? Donc, voilà, ça, c'était vraiment important de le faire. Et on a revu les porteurs de projets pour, en présence des chefs de service de l'administration, donc ça c'est positif aussi, pour déjà proposer des, non pas modifier leurs propositions, mais en tout cas attirer des points d'attention dans la mise en œuvre. Alors, quand ça a été fait, là, on vient de lancer une période de consultation citoyenne sur la plateforme. Donc, on a demandé à tous les porteurs un petit résumé. Les citoyens peuvent commenter. On ne voulait pas passer un système de vote comme sur les réseaux, mais avoir quelque chose de plus qualitatif. Donc, on a proposé des critères qui sont ceux de l'appel à projet. Et là, pour vous dire, la consultation a commencé hier et là, on a plus près de 450 commentaires déjà. Donc, jusqu'au 30, on va en avoir. Mais en tout cas, c'est chouette parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de réceptivité de la part des citoyens. Et on a déjà pris contact aussi avec le jury. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Donc, dans le règlement, il était prévu d'avoir un jury mixte composé de deux citoyens tirés au sort, de représentants des commissions communales existantes et d'un membre de l'administration. Donc, il y a tout un travail en amont qui s'est fait avec eux. Et hier soir, on a eu une réunion, une première réunion de présentation du projet et de comment ça va se passer pour eux. Comment vont-ils voter? Sur quels critères vont-ils choisir les projets? Ils ont découvert aussi les projets proposés. Et il y aura une prochaine étape où on va délibérer, enfin, ils vont délibérer le 9 juin. Et le 30 juin, on sera à la proclamation. Donc, c'est un peu l'événement pour nous. Hein, c'est la première fois qu'on le fait. Donc, voilà un petit peu où on en est. On apprend en faisant, hein, c'est une première expérience. Donc, des choses qui ont déjà été dites, forcément, ça demande du temps, de l'énergie pour avoir un processus de qualité, surtout des échanges et du dialogue, sinon on passe clairement à côté. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de créer du lien avec les citoyens et vraiment pour que la synergie, elle reste et qu'elle s'ancre dans la durée. L'importance aussi de diversifier les canaux de communication, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux, et donc avoir et la revue communale, et les réseaux sociaux, et des réunions, et des événements de rencontres, ce sont tous des « et » qui permettent de toucher tout le monde. Alors, l'importance aussi de faire rencontrer l'administration, les rêves citoyens, on l'a dit, notamment au niveau du budget, quand est-ce que le conseil communal va approuver la ventilation des dépenses, etc. Et puis, surtout, créer des échanges entre les porteurs de projets. Par exemple, nous, on s'est rendu compte qu'il y a deux porteurs qui avaient une idée de projet au même endroit. Et donc, c'est important de les faire dialoguer entre eux. Voilà, je pense qu'il n'y a plus qu'une slide. Voilà, donc pour demain, l'objectif, c'est vraiment d'ancrer tout ça dans la durée. Il ne suffit pas que les citoyens reçoivent leur subside et puis qu'ils soient déresponsabilisés. Nous, ce qu'on aimerait vraiment, outre le fait d'avoir une convention de partenariat, c'est qu'ils deviennent des vrais relais de la commune, des vrais partenaires, et qu'ils restent impliqués dans la gestion du projet. Et puis, pour nous-mêmes, ça sera d'évaluer cette première édition qui n'est pas encore terminée en faisant notre bilan et de voir comment l'année prochaine on peut saisir toutes les opportunités pour attirer davantage de porteurs de projets et rendre la dynamique accessible encore à un plus grand nombre. Voilà. Merci, merci Claudia et Cindy. Je ne sais pas s'il y a des questions pour vous en particulier. Sinon, de toute façon, il sera encore possible de poser les questions plus tard, s'il n'y en a pas dans l'immédiat. J'ai cru voir qu'il y a un problème. Certains ont des problèmes de connexion et se demandent si toutes les caméras doivent être allumées. Donc, si vous avez la possibilité, effectivement, même en termes de sobriété numérique, d'éteindre vos caméras quand vous ne parlez pas, ça peut éventuellement aider certaines connexions si c'est nécessaire.
Et je vais laisser la parole à Manon et Frédéric de Philao ASBL. Je vous laisse partager votre écran aussi. Manon et Frédéric ont été lauréats avec l'ASBL Philao du premier budget participatif de Namur. Et ils vont vous parler d'inclusion dans les, dans ces projets, dans ces appels à projets. Est-ce que ça va pour le partage d'écran ou je partage Non, ça nous met que l'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants. Ça va. Je vais vous le partager de chez moi. Présente. Attendez, parce que d'abord, je dois repartager mon écran. Ah. Voilà, je repartage. Voilà. Et... présenter. Est-ce que tout le monde voit vers des appels à projets inclusifs? Voilà. Je vois, en tout cas. Parfait. À vous. Du coup, alors, je me présente. Moi, je m'appelle Manon Olotte et je suis présidente de l'ASBL Philao. Alors, Philao ASBL, c'est quoi? Donc, nous sommes une association qui a été créée en 2020 par et pour les personnes en situation de handicap. Et donc, au départ, on était trois, donc trois personnes déficientes visuelles, et on a été créés plus ou moins en même temps que, qu'est sorti le budget participatif de la ville de Namur. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Philao ASBL? Voilà. Donc ça, c'est nous trois avec nos chiens. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Philao ASBL? En fait, donc, nous faisons de la consultance, de la formation et de la sensibilisation pour que les entreprises, le monde associatif et le monde public puissent prendre en compte, en fait, puissent se rendre compte que les personnes en situation de handicap ont aussi des compétences et des qualités qu'elles peuvent partager dans notre société. Alors, pour faire cela, en fait, on a des valeurs assez fortes, en fait, chez Philao. Donc, ce qu'on veut vraiment faire, c'est mettre les utilisateurs au cœur de ce qui les concerne. Donc, concrètement, comment on fait? On procède par une validation par les pairs, c'est-à-dire qu'on met vraiment l'expérience des gens au centre des projets qui les concernent. Et donc, ce qu'on veut faire chez Philao, c'est transformer la déficience en efficience. C'est vraiment notre leitmotiv chez Philao. Donc, par rapport, voilà. Donc, par rapport au budget participatif de la ville de Namur, donc, il y a eu trois grosses étapes pour nous. Donc, c'était la création du dossier, donc, qui nous a vraiment demandé un max de temps, parce que comme on a tous les trois déficients visuels, et qu'à l'époque, nous n'étions que trois dans l'association, voilà, on a eu quand même pas mal de difficultés quant à l'accessibilité pour remplir ce dossier. Ensuite, il y a eu l'étape des votes. Donc, voilà, on a eu un petit peu le même problème par rapport à l'accessibilité du site, mais ce qui est vraiment très, très chouette par rapport à ça, c'est que tant au niveau de Biplanet que de la commune, les gens ont été hyper réceptifs par rapport aux besoins qu'on avait. Donc, quand on a mis en place le projet, qu'on a dû aller signer la convention à la commune parce qu'on était lauréat, eh bien, ce qui a été hyper rigolo, c'est que en fait, la commune ne savait pas qu'on était déficient visuel quand on a présenté notre projet. Et quand mes collègues sont arrivés pour signer avec leur canne, leur chien guide, la dame était juste... surprise en fait de voir tiens, vous êtes déficient visuel, vous proposez un projet. Il ne s'attendait pas en fait à ça, et du coup elle était même stressée de savoir quelle accessibilité elle pouvait mettre en place. Et donc nous, en fait, ce qu'on a vraiment voulu donner aussi comme retour avec notre participation, c'est qu'en fait, eh bien, les personnes en situation de handicap viennent en général avec leur accessibilité. Donc, je vais un peu vous expliquer le projet Namur pour tous. Donc, ça, c'est le projet qu'on a présenté, parce que ça montre vraiment, enfin, c'est un bon exemple, en fait, de comment on peut intégrer des personnes en situation de handicap dans des appels à projets. Donc, voilà, ici, vous voyez sur le slide que Namur pour tous, ben, on a aussi fait ça en collaboration avec le CRET, qui est une association bien implantée à Namur et qui est justement sur
l'inclusion des personnes en situation de handicap par la technologie. Et donc, leur expertise nous a été hyper précieuse pour rendre accessible ce que nous, nous n'avions pas encore la possibilité d'accéder pour le budget participatif. Donc, voilà. Par rapport au projet Namur pour tous, donc, Namur pour tous, c'est quoi? Donc, on s'est rendu compte que dans notre commune, il y avait plein de choses qui étaient plein d'outils et services en fait, qui rendent la vie des personnes en situation de handicap plus facile, plus accessible. Mais ces outils et services sont très, très mal renseignés. Donc, il y a beaucoup d'informations sur plein de sites ou même qui ne se trouvent pas sur Internet. Et donc, notre plan, c'est quoi avec Namur pour tous? C'est sur un site Internet et un guide papier, rassembler toute cette information pour qu'elle soit accessible le plus facilement possible aux personnes qui en ont le plus besoin. Et en fait, comment on procède pour faire ça? Eh bien, c'est un peu comme en fait, il faudrait procéder pour chaque projet ou chaque appel à projet. On a mis les personnes en situation de handicap au cœur de notre démarche. Et donc, comment on a fait? En fait, on a fait des tables rondes où on a rassemblé le monde associatif, les pouvoirs publics. On a aussi rassemblé les personnes en situation de handicap elles-mêmes et on s'est tous mis ensemble pour discuter de 4 thèmes différents. Là, on a discuté des loisirs, de la vie sexuelle et affective, de la santé et de la mobilité. Et en fait, ce qui en est ressorti, autant pour la commune que pour nous, que pour les associations, eh ben, c'est que le fait d'avoir cette démarche, que les gens viennent avec leur propre accessibilité, de pouvoir partager, de créer comme ça une émulsion, ben ça nous a permis à tous en fait, de développer des nouvelles compétences. Et ça a été hyper riche parce que donc, on avait vraiment demandé, et ça, c'était grâce aussi à Biplanet, on a été mis en contact avec les gens de la commune qui sont venus à chacune de nos tables rondes justement pour pouvoir s'imprégner de l'expertise que nous, on avait. Et nous, on a pu s'imprégner aussi de l'expertise que eux avaient. Donc, par rapport aux formations qu'on a eues avec Biplanet, ça nous a été hyper utile. Donc, comme on l'a expliqué plus tôt, enfin, quelqu'un d'autre l'a expliqué plus tôt, donc, on a eu la chance de participer à 4 formations, je pense, qui se sont déroulées le soir au sein de la commune. Et donc, en fait, ces formations étaient hyper intéressantes pour nous parce qu'elles sont tombées juste au moment où on en avait besoin parce qu'on était sur notre première table ronde et on n'avait pas du tout de compétences en intelligence collective, en comment mener une réunion, comment faire pour que tout le monde puisse participer. Et donc, nous, on est vraiment revenus avec notre tour. Voilà, notre première réunion ne s'est pas bien passée, on n'a pas eu les informations qu'on voulait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a eu vraiment un retour hyper positif, on nous a montré comment utiliser l'intelligence collective, comment diriger une réunion de manière efficace. Et cette expertise qu'on a pu développer grâce à ces formations, on a même pu la remettre dans d'autres projets qu'on avait avec Philao, comme par exemple, il n'y a pas longtemps, le hackathon IT for Anxiety ici à Namur, que nous avons gagné avec 3 autres... on était dans les 3 lauréats, parce qu'on a utilisé tout ce que Biplanet nous a donné pendant les formations. Et ce qui était très riche aussi, c'est qu'à plusieurs reprises, Aurore est revenue vers nous demander, durant la formation, vous n'avez pas eu accès à tel outil, comment est-ce que, pour la prochaine fois, on peut rendre cet outil accessible? Et c'est vraiment ça, en fait, je pense qu'il faut faire pour que tous vos appels à projets soient inclusifs. Ce n'est pas se dire dès le départ, OK, je vais mettre ça full accessible, parce que ce n'est pas possible, ça demande vraiment un travail énorme. Mais par contre, au plus vous allez inclure des personnes en situation de handicap ou des personnes différentes, au plus vous allez échanger et au plus en fait, vous allez obtenir de l'expertise par rapport à l'inclusion de ces personnes. Et c'est ça, je pense, qui est vraiment très important. Voilà, et donc... Je ne sais pas trop quoi dire d'autre, à part que si la façon dont on fonctionne, ça vous intéresse, vous pouvez toujours rester en contact avec nous. Et nous, on sera ravis au travers de discussions, de tables rondes, de consultantes, de formations, de ce que vous voulez, de vous faire partager notre vision. Et je pense que s'il y a une chose à retenir de notre participation
au budget participatif de la ville de Namur, c'est que oui, l'inclusion ça, des personnes en situation de handicap, ça permet vraiment de transformer la déficience en efficience, et c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et on espère que au travers de ce témoignage qu'on vous donne, vous allez un maximum inclure des personnes en situation de handicap pour qu'au final, les appels à projets soient de plus en plus inclusifs. Voilà. Super, merci Manon pour ce beau témoignage. Je ne sais pas s'il y a des questions ou réactions. Enfin, de nouveau, on pourra y revenir après si nécessaire, mais effectivement, c'est un témoignage intéressant en termes d'inclusion. Et pour rebondir juste sur ce que tu disais, je me souviens que tu m'avais parlé de ce rôle inclusion que vous mettez dans les réunions maintenant suite aux formations avec des planètes. Et donc c'est vraiment identifier une personne qui dans l'organisation d'une réunion s'occupe du bien-être et de l'inclusion de tout un chacun, et que les besoins soient respectés. Et voilà, je trouvais ça intéressant comme retour. Et c'est vraiment quelque chose qu'on fait maintenant systématiquement dans tous nos projets. En fait, c'est qu'en plus du maître du temps, du maître de tous les rôles, on a mis une personne qui est chargée de vérifier si tout est accessible. Parce que nous, voilà, on est déficients visuels, mais dans notre association, il y a des personnes déficientes intellectuelles, déficientes auditives, il y a même des personnes avec des troubles psychiques. Et nous, enfin, moi, comme ergothérapeute, j'ai de l'expertise au niveau professionnel, mais au niveau du vécu, je n'en ai pas. Et donc, du coup, c'est vraiment intéressant que les gens viennent avec leur propre accessibilité. Nous, on a mis en place, je crois d'ailleurs que c'est grâce à une réunion de Biplanet, on a mis en place un cube qui s'appelle un cube temporel. Et ça nous a permis, en fait, que la personne en situation de déficience intellectuelle puisse vraiment se rendre compte, grâce à la couleur du cube temporel, OK, il reste autant de temps pour que je puisse parler ou pas. Et donc, c'est bête, nous, on n'y aurait jamais pensé parce qu'on est déficient visuel, mais elle nous a vraiment fait un retour. Oui, le cube temporel, moi, ça m'a aidé. Donc, on a mis ça dans notre liste d'accessibilité, cube temporel. Comme quoi, il y a plein de petits trucs et astuces, je pense, à développer en matière d'inclusion. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre rapport maintenant. Je vais essayer de vous... Merci à vous aussi. Pardon, je vais revenir à ma présentation si elle veut bien. Voilà. Donc, nous avons eu Manon et Frédéric. Et du coup, maintenant, je vais passer la main à Christophe Schoen, qui est du coup pour un autre volet du budget participatif. Donc, Christophe est aussi à l'initiative de Biplanet depuis quelques années et préside certains jurys qui ont lieu. Et donc, voilà, un petit témoignage un peu pratico-pratique d'un autre angle de vue en termes de budget participatif. Christophe. Oui, merci Aurore. Ouais. Bonjour à toutes et tous. Alors, effectivement, j'ai eu l'occasion de présider deux jurys l'an passé dans les communes d'Andenne et de Namur. Et je voulais vous partager en particulier l'expérience de Namur parce qu'elle était unique à plusieurs titres. Alors, je vais vous partager mon écran d'abord. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Tac. Le partage est activé ou pas? Allô? Vous m'entendez? Non. Le partage. On ne voit pas votre partage. Alors. Voilà. Mais normalement, j'ai autorisé maintenant. OK. Alors. Oui. Attends. Chris. Est-ce que j'ai autorisé? Ça marche? Pas encore. Bon, sinon, je vais y aller et tant pis. Ne pas freiner la. Et ralentir la réunion. Un jury, c'est d'abord des personnes, avant toute chose. Et donc, le jury de Namur en particulier était constitué de différentes personnalités issues de mondes différents. Et c'est très, très important, effectivement, d'avoir des sensibilités, des expertises de nature différente et d'avoir un équilibre, évidemment, entre les genres aussi et les âges, si possible. Donc, on avait une prof, par exemple, des facultés Notre-Dame de la Paix en sociologie. On avait une experte de la Fondation Rabaudouin. On avait un expert plutôt naturaliste qui pilote un projet dans la province du Luxembourg. On avait une coach en développement. On avait un rédacteur en chef d'une télé régionale. Outre moi, en tant que
journaliste actuellement, mais également impliqué, effectivement, comme l'a dit Aurore, dans la Fondation depuis le départ, avec l'appui dans le cadre de ce jury de Laurence de Calataï, qui est autour de cette visio, de François-Olivier, également membre du staff de Biplanète, et de personnes de la commune de Namur qui étaient là pour un appui technique quand il s'agissait d'éclairer la faisabilité ou non de certains projets, ce qui était très important évidemment dans le cadre de projets d'investissement. Ça c'est pour ce qui concerne le jury, et chacun des membres en fait de ce jury a dû, dans le cas de Namur, analyser plus d'une vingtaine de dossiers. Donc on s'était réparti en binôme pour se partager un menu qui était conséquent, puisqu'il y avait près de 70 dossiers déposés. Donc il y a eu une belle campagne de promotion en amont, dont les Philao évidemment étaient lauréats. Et on s'est partagé, donc ça, on a divisé ça en trois, et moi j'ai passé en vue en tant que président du jury l'ensemble des dossiers pour avoir une connaissance évidemment globale de ce qui était sur la table. Alors, comment le jury a travaillé en pratique, ça c'est quand même assez important de le dire, puisque un des principes clés évidemment de ce processus, c'est l'objectivation autant que faire se peut des projets qui sont retenus et qui sont lauréats à travers des critères. Il y en avait quatre à Namur, quatre critères principaux. Donc le premier critère portait sur les impacts environnementaux, le cadre de vie, la dimension sociale, et ça, c'était chiffré, évalué à 40 sur 100. Le deuxième critère portait sur la dimension participative et partenariale, donc la capacité d'un projet, je veux dire, à se mettre en réseau avec les acteurs de la cité, de la commune, et aussi à nouer des partenariats dans et en dehors de la commune pour renforcer le rayonnement, mais aussi la légitimité, la force du projet. Le troisième critère portait sur la diversité des sources de financement et de revenus pour voir s'il y avait une approche économique, enfin, ou du modèle économique en tout cas du projet, qui permettait d'assurer aussi sa pérennité à moyen ou à long terme quand on était dans le cadre de projets qui n'étaient pas des projets one-shot. Et enfin, la question de la pérennité justement et de la réplicabilité, c'est un critère qui était également évalué par le jury, parce que l'intérêt c'était de voir si parmi les 70 projets qui étaient par exemple présentés à Namur, eh bien, certains pouvaient inspirer d'autres communes comme celle d'Oupé, de Charleroi ou d'Andenne à travers la publicité qui en serait faite après. Et donc 40, 20, 20, 20, ça fait 100, et chaque membre du jury donc, a évalué sur 100 ces projets, et puis on a eu une discussion évidemment entre membres du jury, et on a mis côte à côte pour ce qui concerne Namur, les évaluations qui ont été formulées par les habitants, puisqu'il y a eu près de, si ma mémoire est bonne, 18 000 votes qui ont été exprimés électroniquement et dans les urnes sur les projets qui étaient donc soumis au vote participatif. Et on a mis évidemment, et on a corrélé ça avec les évaluations du jury, et l'addition de ces sommes évidemment a fait émerger les quelques 27 lauréats. Alors, c'est là qu'il y a eu évidemment des discussions, puisqu'on s'est rendu compte que l'évaluation du jury qui portait sur le respect des critères stricts différait parfois fortement du vote populaire. Et c'est tout à fait compréhensible, puisque le vote populaire s'exprime sur des coups de cœur, s'exprime aussi sur la capacité, en tout cas, des associations à mobiliser autour d'elles des citoyens qui vont aller voter pour les projets, et donc de créer de la sympathie, de l'adhésion autour de le projet, qui ont certainement une légitimité, mais qui ne rencontraient pas toujours en fait les différents critères que j'ai évoqués. Et c'était là le rôle et l'importance du jury pour quelque part nuancer ou balancer le vote populaire qui ne tenait pas compte parfois de certains critères. Et donc, effectivement, on a dû contrebalancer parfois à travers les critères que j'ai exprimés ici. Le vote populaire qui avait placé certains projets par exemple à plus de 80%, bien, nous on avait considéré que certains projets étaient parfois inférieurs à 60 ou 50%, et donc ces projets-là ne sont pas passés. Et donc les discussions, elles ont principalement eu lieu en jury sur effectivement les projets qui se situaient dans une fourchette de 50 à 70%. Ceux qui étaient au-delà de 70% généralement n'ont pas été fortement discutés, sinon quand on a dû sommer l'ensemble des montants liés au projet évidemment lauréat et faire en sorte que ça puisse rentrer
dans le canevas, dans le budget de la ville de Namur, puisque la valise était 330 000 euros, et donc on a dû faire des arbitrages aussi, et diminuer les montants de certains projets, les derniers projets classés dans les projets lauréats, pour autant que des phasages étaient possibles. Voilà comment on a travaillé, dans un esprit assez collégial, je dois dire. Les discussions ont été très, très positives. On a travaillé par tour de table, en intelligence collective, et on est arrivé assez vite à un accord en déant le temps qui nous était imparti, puisqu'on a travaillé en visioconférence, on était en plein Covid, pour arriver aux 27 lauréats. Je vais vous partager en fait dans les commentaires le lien. Il y a une petite vidéo d'une minute 50 qui fait défiler les différents projets. Vous allez voir que ces projets sont de nature très diverse et correspondent d'une manière ou d'une autre aux critères qui étaient émis par la ville de Namur et suggérés évidemment par la fondation Biplanète. Et j'ai oublié de dire une dernière chose, c'est que c'est effectivement la fondation qui a réuni ce jury et en tout cas choisi les différents membres du jury pour que ce processus soit aussi le plus impartial possible aux yeux du public et qu'il n'y ait pas une mauvaise suspicion en tout cas, comme c'est parfois le cas quand des moyens sont alloués à des associations. Et je peux vous garantir que sur ce plan-là, nous n'avons subi aucune influence d'une manière ou d'une autre du politique qui a laissé en tout cas la fondation et le jury travailler en toute indépendance. Voilà, j'ai terminé. Je suis ouvert évidemment à toutes les questions qui se poseraient par rapport à l'organisation de nos travaux, aux critères. J'ai tout ça dans des tableaux Excel. Je ne voulais pas trop vous encombrer avec ça, mais je peux partager certaines choses si vous le souhaitez. Attends, parce qu'on ne t'entend pas. Je veux bien vous partager la petite vidéo si je n'ai pas dépassé mes 7 minutes. Tu peux partager la vidéo ou alors tu dois me l'envoyer. Je vais te l'envoyer comme ça, toi tu pourras la partager un instant. Je vais. Oui. Tac. Alors, où je la retrouve, 30 secondes. Est-ce qu'elle est... Un instant. Pas de souci. Donc, merci aussi pour ce témoignage sur les jurys et l'indépendance de ces jurys qui est pour nous un facteur clé de réussite de ces projets participatifs. Voilà. Alors, on a une question sur est-ce qu'on impose un budget maximal par projet ? De manière générale, je ne sais pas si Christophe, tu souhaites répondre. Voilà. Donc, dans le cadre de Namur, il y avait trois catégories, et donc ces catégories étaient des catégories effectivement qui avaient deux natures. Il y avait une nature sur, il y avait un critère lié à la nature du projet, donc un projet one shot ou des projets d'investissement, donc une catégorie one shot et deux catégories projets d'investissement, et c'est les montants en fait qui étaient à chaque fois visés. Donc pour la catégorie liée au one-shot, c'était de 1 à 10 000 euros. Et puis, il y avait deux catégories pour les projets d'investissement, une catégorie de 1 à 25 000 euros et une autre catégorie de 1 à 150 000 euros. Et donc, les choix ont été faits à travers ces trois catégories. Je ne me souviens plus, il faudrait que j'aille reprendre dans le tableau le projet qui a reçu le plus, mais c'était quand même largement inférieur à 150 000 euros. On a voulu veiller aussi à un équilibre pour qu'un seul projet ne mange pas tout le budget qui était disponible. Et dans un des gros projets qui a été soutenu, on a veillé à ce que ça puisse être phasé, même si on a diminué le montant octroyé. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et du coup, pour compléter, si je puis me permettre, dans beaucoup de cas, il y a un maximum souvent de 10 000 euros par projet. Pour les plus petits budgets dans d'autres villes qui ont des budgets de 40, 50, 60, 70 000 euros, souvent c'est limité à maximum 10 000 euros par projet. Maintenant, en général, ça dépend du montant initial de l'appel à projet, la limitation maximum. Oui. Et du coup... Il y a une question sur les quatre grands critères d'évaluation que tu as cités, Christophe. Oui. Si tu peux les reciter ou éventuellement en plus les remettre dans le chat après, peut-être. Oui, ça, je peux
peut partager le tableau Excel avec ces critères-là. Effectivement, donc il y a impact environnementaux sur le cadre de vie et sur la dimension sociale. Ça valait pour 40 points sur 100. Donc, par projet ayant un impact sur l'environnement, on entend un projet qui contribue à la réduction des pollutions environnementales, qui favorise l'utilisation des ressources renouvelables, qui développe l'économie circulaire, etc., etc. Sur la dimension sociale, c'est un projet qui favorise par exemple le lien entre les citoyens et les citoyennes, qui diminue les inégalités, qui apporte une valeur ajoutée vis-à-vis de publics précarisés. Alors, le deuxième critère, c'était la dimension participative et partenariale, 20 points sur 100. Et donc là, comme je l'ai expliqué, c'est est-ce que le projet qui est déposé est réalisé en partenariat avec des entreprises, avec d'autres associations, avec des parastatos, des pouvoirs publics, dans ou en dehors de la commune, et est-il aussi réalisé avec des citoyens qui sont concernés, avec les publics cibles. On a eu par exemple des très beaux projets sur le papier, mais qui n'avaient pas cette dimension participative avec les publics cibles visés. Donc ça pouvait paraître assez paradoxal. Donc un projet peut être très bien pensé par une personne, mais il perd de sa légitimité, effectivement, s'il ne parvient pas à rayonner dans la communauté qui est visée. Le troisième critère, c'était la diversité des sources de financement. Donc, est-ce que le projet dispose déjà de fonds publics ou privés? Est-ce qu'il va dégager des revenus parce qu'il y a une activité? On a eu, effectivement, des projets qui avaient eu un potentiel, en tout cas commercial, mais dans le bon sens du terme, on va dire. Et donc, que demande-t-il en somme, en complément comme moyen? Et c'est tout à fait en lien avec le point suivant. Le quatrième critère, c'est la pérennité ou la réplicabilité du projet. Et donc, est-ce que ce projet, d'une manière ou d'une autre, va pouvoir s'inscrire dans la durée et inspirer d'autres acteurs, parce que le modèle économique qui a été, je veux dire, pensé le permet, parce que la question de la participation et des partenariats lui donne une assise suffisante, ou parce qu'il est, il est innovant et que forcément il va répondre différemment à un besoin exprimé à travers le premier critère sur les impacts environnementaux du cadre de vie ou la dimension sociale. Je vais vous partager le fichier Excel lié aux critères, mais je vais peut-être l'expurger des commentaires, etc., parce que sinon, si ça circule, ça pourrait être mal interprété. Donc, donnez-moi 5 minutes, mais je réponds aux autres questions. Merci. Il y a Mélissa qui va intervenir. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Voilà, moi, je m'appelle Mélissa. Je travaille aussi pour Biplanet. Et je voulais juste rajouter que les critères d'évaluation sont discutés avec les villes en amont. Donc, c'est très, très important, cette discussion avec la ville, pour que les critères soient en accord avec les réalités communales. On en parlait justement. Voilà. Mais je voulais poser une question à Christophe qui est très, très importante, je pense, parce que je voulais savoir l'avis d'un président de jury. Je m'entends en double, hein, alors c'est pour ça que j'étais un peu hésitante. Je voulais savoir quand les projets rentrent, et parfois les membres du jury ou les personnes de la ville sont un peu surprises, ou j'utilise un mot très fort, déçues du contenu ou du manque d'aboutissement de certains projets. Et je voulais un peu savoir, entendre le discours positif qu'un président de jury et puis quelqu'un avec ton expérience aborde cette petite déception ou cet étonnement de la part de la ville ou des membres du jury. Oui, mais dans le cadre de mon expérience à Namur, un travail en amont considérable avait été réalisé par la ville, justement, qui a travaillé en appui technique pour vérifier en amont la solidité technique des projets, leur faisabilité, et ajuster, le cas échéant, les moyens sollicités, sans prendre position sur il sera retenu ou pas. Et donc, la ville de Namur, en l'occurrence, avait fait ce job qui consistait à dire c'est faisable ou pas. Vous avez sous-évalué ou surévalué les montants. Et voilà, selon nous, ce qui serait nécessaire pour pouvoir le réaliser. Ce travail-là a été très, très utile pour nous, mais je pense aussi pour les projets, pour les porteurs de projets, puisqu'ils ont été amenés à retravailler aussi un peu en amont leur copie, avant de le déposer définitivement. Et ça, c'est le travail d'accompagnement que fait Biplanet.
Et donc ça effectivement, c'est très important. Je n'ai pas en tout cas le souvenir d'avoir été face au sein du jury à des déceptions par rapport au projet, parce qu'il y avait une telle diversité à Namur que c'était difficile, je trouve, d'être déçu. Parfois, ça pouvait être un peu léger sur telle ou telle dimension. Parfois, effectivement, la question du modèle économique ou de la réplicabilité ou des partenariats pouvaient être plus faibles que dans d'autres projets. Mais ça, c'est inhérent, je pense, à n'importe quel type d'appel à projet ou de concours. C'est rare de voir les projets qui cochent parfaitement toutes les cases. Mais donc, moi, j'étais plutôt même positivement étonné dans le cas de Namur. Dans le cadre d'Andenne, mon autre expérience en tant que président du jury, là, c'était plus mitigé parce qu'on s'est rendu compte, effectivement, qu'on n'avait peut-être pas pu, lors de la campagne initiale, toucher les publics qu'on aurait souhaité toucher pour avoir davantage de projets lors de la délibération du jury. De mémoire, je pense qu'on avait une quinzaine de projets, ce qui était relativement peu, évidemment. Et donc là, les choix ne se font pas toujours de la manière la plus opportune. Je ne dis pas que les choix se sont faits par défaut en Andenne, mais c'est clair que quand on a une plus grande diversité, ça facilite aussi le jury. Enfin, le travail du jury. Merci. Il y aura peut-être encore le temps pour des questions à la fin. On va peut-être laisser la parole à Hélène et je vais partager mon écran. Hélène de la ville de Charleroi. Pour notre dernier témoignage du jour, et on aura encore un peu de temps pour des échanges après, si mon écran veut bien se partager. Hélène, nous entends-tu? Es-tu parmi nous? Oui. Est-ce que vous me voyez, m'entendez? C'est bon pour vous? Oui. Ok, super. Mais donc voilà. Moi, slide, si je ne le fais pas assez. Ça va, s'il faut, je ferai un petit signe. Donc, bonjour à tous. Moi, je travaille pour Xavier Desguin, qui est échevin à Charleroi, échevin de la transition écologique parmi d'autres compétences. Et je m'appelle Hélène Hénaud et c'est moi qui suis donc, pour la ville de Charleroi le projet avec Biplanète. Et donc, Aurore, tu peux changer. La première chose que je voudrais nuancer par rapport à l'ensemble un petit peu des exemples qu'on vient d'avoir, c'est qu'à Charleroi, on distingue le budget participatif qui est un montant alloué à la participation citoyenne de manière récurrente, annuelle, pour un montant d'environ 40 000 euros, géré par les services de la participation citoyenne. On le distingue du budget proximity, qui, lui, est un subside, si on veut, qui émane de l'égional de la transition écologique. Et donc, je trouve que cette nuance, elle est importante parce qu'elle permet aussi peut-être d'expliquer un petit peu les choix qu'on a faits par la suite, qui sont un petit peu moins axés sur la participation que dans les autres villes, même si c'est une dimension qui reste super importante. Mais le budget participatif, il est ouvert aux associations de fêtes. Il a pour vocation de distribuer des enveloppes plus petites, de l'ordre de 2 à 3 000 euros. Et à titre d'exemple, en 2021, le budget de la participation a distribué 40 000 euros sur 12 lauréats, et avec beaucoup plus donc, cette dimension de vote en ligne par les citoyens que nous, on a choisi de ne pas intégrer dans le budget de proximity. Qui donc à Charleroi a vraiment cette vocation en fait de soulever, d'aider à démarrer tous les projets de transition écologique un peu plus d'ordre structurel comme une ASBL qui veut se lancer avec un projet assez déjà bien robuste. Et donc on a décidé d'allouer un subside à la transition écologique, à savoir que au niveau des services administratifs, on n'a pas de services orientés transition écologique. Je ne sais pas comment ça se passe vraiment dans les autres communes au niveau de la structure administrative de cette nouvelle thématique qu'est la transition, mais chez nous, ça se crée tout doucement avec l'arrivée du coordinateur POLEC, donc on a vraiment cette envie d'avoir une cellule qui s'occupe de manière transversale de tout ce qui touche à la transition, mais ce n'est pas encore le cas, et donc l'existence de Biplanète pour nous était vraiment un facilitateur pour organiser cette campagne, pour mobiliser les acteurs du territoire, pour faire ce travail de gestion administrative finalement qui est la diffusion de l'appel à projet, la réception des projets, la vérification de l'éligibilité, les contacts avec chaque porteur de projet, travail qu'on n'était donc pas en mesure de faire en interne chez nous, puisque le budget de la participation est géré par la participation citoyenne, mais on n'était pas vraiment sur la même dynamique. Et donc, on a commencé en 2020 avec une première campagne Proximity,
Et là, on avait décidé d'allouer une somme de 45 000 euros donc à distribuer à des projets sur le territoire. Et donc, c'est Biplanet qui nous a accompagnés pour faire connaître la campagne Proximity, pour toucher les citoyens, pour expliquer les tenants et aboutissants de cet appel à projet et expliquer la volonté qu'avait en fait la ville de Charleroi de créer un écosystème d'acteurs de la transition, parce qu'on voyait que la ville était vraiment un terreau très fertile pour voir une série d'initiatives qui voulait se lancer. On entendait des bribes qui disaient « Oui, nous, on a voulu créer Marcinelle en transition, mais on était un peu perdu dans l'ampleur de Charleroi. D'autres créaient Ville Fertile. Enfin, » ouais, il y avait beaucoup de dynamiques qui naissaient, mais il manquait un petit peu ce tissu, si on veut, pour lier tout le monde, à savoir qu'on est quand même une commune de 200 000 habitants qui est assez grande géographiquement parlant. Et donc, il manquait en fait cette impulsion des pouvoirs locaux pour aider à fédérer, pour montrer qu'il y avait la ville souhaitait les soutenir, souhaitait donner cet élan au niveau associatif et citoyen. Et donc, la première année, on a eu 7 projets candidats, ce qui a permis d'en soutenir la majorité. Donc, 6 projets ont reçu une enveloppe de la ville et se sont lancés dans la campagne de mobilisation. Le détail de l'organisation de la campagne, j'y reviendrai un petit peu après. Ici, c'était juste pour vous donner un point de vue général sur les 3 années. Et donc, première année, 45 000 euros. La deuxième année, donc, qui est celle qui est en train de se terminer au niveau de la distribution des moyens, on a alloué 68 000 euros. Et pour l'année 3, on a un budget de 70 000 euros donc, à distribuer. Alors, donc, cette volonté de... Voilà, merci pour le changement de slide. Cette volonté de tisser du lien entre les acteurs, elle s'est aussi traduite par l'envie d'organiser un événement annuel qui permettait de fédérer tous ces citoyens, toutes ces associations et toutes ces personnes qui avaient envie d'œuvrer pour prendre la ville plus verte, plus durable, plus solidaire. Et donc, on a organisé une journée, un festival qui s'appelle Carolotopia, qui a eu lieu pour la première fois en novembre 2021 et qui a rassemblé donc, tous les acteurs de Proximity grâce à Biplanet qui nous a aidés à animer et à structurer aussi cette journée de festival. Donc, en mobilisant tous nos ambassadeurs, donc ces personnes relais, ces associations relais qui, en fait, diffusent ensuite l'information dans leur propre réseau. Et on a été super satisfaits de cette première journée qui a quand même ramené 500 personnes en période Covid. Donc, on était très limité par la publicité qu'on pouvait faire pour les jauges, pour les distances sociales, etc. Et donc, on va répliquer ça cette année, en 2022. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez bloquer la date du 22 octobre 2022, où on a de nouveau cette intention de rassembler tous les acteurs du territoire, citoyens, associations. Et en fait, ça marche super bien parce que les gens se rencontrent, les gens font des ponts entre leurs projets. Typiquement, celui qui a des déchets organiques va les donner à celui qui en recherche pour faire du compost, pour faire de la biométhanisation. Et en fait, on se rend compte que c'est vraiment, ça marche vraiment bien. Donc, ça répond vraiment à nos attentes. Et c'est très complémentaire à Proximity qui soutient plutôt financièrement et qui donne de la visibilité au projet. Ici, les gens se rencontrent et ça permet aussi d'aller toucher des citoyens qui sont peut-être de base un peu moins impliqués dans les projets à proprement parler, mais qui sont ouverts à prendre ce qui se passe dans leur ville. Donc, c'est l'occasion de mettre en lumière un petit peu tout ça. Alors, Aurore, je veux bien, voilà. L'exemple de l'année qui vient de s'écouler, la manière dont on a fonctionné à Charleroi. Et donc, on a ouvert les appels à projets au mois de juin avec une séance d'ouverture qui se faisait sur un site d'un des lauréats qui s'appelle Jumé Bio, qui se veut aussi être la maison de l'alimentation durable de Charleroi et donc qui a un lieu qui est vraiment en train de se développer autour des questions de l'alimentation. Et finalement, s'y retrouvent plusieurs lauréats de Proximity, à savoir un candidat qui fait du maraîchage et de la formation maraîchage à destination d'un public en insertion socio-professionnelle. On y retrouve un producteur de champignons qui travaille dans les caves du site. On y retrouve Terre à Terre, qui est une ASBL qui promeut la biodiversité et qui fait de l'animation auprès des enfants à travers l'apiculture et qui fait sur le site un sentier de biodiversité. Et donc, ce site, typiquement, est le lieu et qui permet de faire se rassembler des acteurs. Et c'est aussi grâce à Proximity ça commence à se faire connaître et qu'on reçoit donc des demandes de gens qui ont envie d'intégrer ce lieu. Et ça devient de plus en plus aussi... intégrer, si on veut, à la dynamique de Charleroi. Et la campagne Proximity a grandement aidé à tisser ces liens-là. Et donc, après cette séance d'ouverture à Jumé Bio, on a laissé l'appel ouvert durant tout l'été et on l'a prolongé jusqu'à fin octobre parce qu'on se rend bien compte que juillet-août, ce n'est pas des mois propices à la rédaction d'appels à projets pour les associations. Et donc, on a relancé une séance d'information, cette fois-ci à l'Hôtel de Ville en septembre,
Et ceci dit, retour d'expérience, on trouve que ça a beaucoup mieux fonctionné parce que ça avait peut-être plus l'air d'émaner de la ville. Ça paraissait peut-être plus sérieux, plus accessible à qui voulait. Donc, on a eu beaucoup plus de succès à cette séance d'information-là. On a clôturé l'appel à projet fin octobre. Et dans la foulée, en novembre, on avait justement cette première édition du Festival Carole Utopia où on a fait venir tous les porteurs de projets de proximité de l'année d'avant et de cette année-là. Et ça a permis, par exemple, à la fin du festival, la clôture, c'était une conférence de Rob Hopkins. Tous les porteurs de projets sont montés sur scène avec des slides qui montraient un petit peu tous les projets qui étaient faits. Et il y a eu des échanges avec Rob Hopkins sur le sujet. Donc, c'était vraiment très riche au niveau des mises en relation des uns et des autres. Et je pense que cette dynamique collective, elle motive aussi de plus en plus à oser se lancer. On a des gens qui avaient des petites idées dans la tête et qui, grâce à l'existence de Proximity et de cette dynamique, ont osé se lancer, ont soumis un projet et se sont structurés en ASBL grâce au fait qu'ils recevaient un financement. Et donc, on en vient au mois de décembre où on a réuni le jury pour identifier les projets qu'on souhaitait soutenir en 2021. Donc, chez nous, le jury était composé de 7 personnes, donc un membre du collège communal, un membre de l'administration communale, en l'occurrence, c'était le coordinateur POLEC, 2 experts, 2 citoyens tirés au sort sur base d'une... Enfin, on avait proposé aux citoyens qu'ils souhaitaient de s'inscrire, et parmi ces personnes inscrites, on a tiré au sort 2 citoyens, et donc le président de jury. Et donc, ces 7 personnes ont rempli également une grille d'évaluation. Et alors, chez nous, les critères sont sensiblement les mêmes qu'à Namur, mais au niveau du poids, on en a accordé un petit peu moins pour la participation citoyenne, puisque justement, on voulait aussi se distinguer du budget de la participation, en appuyant vraiment les structures qui veulent se créer en ASBL et essayer de tisser du lien derrière, de s'ancrer dans le territoire. Pourquoi pas que la dynamique en devienne un futur emploi. Et ensuite, répercute leur savoir sur le territoire. Et donc, on avait une petite préférence pour donner des enveloppes de 10 000 euros à des projets très bien structurés et qui sont vraiment en mesure de bien s'ancrer dans la dynamique locale. Je peux vous donner 2-3 exemples. On a financé, par exemple, la biométhanisation des déchets organiques des Restos du Cœur. On a financé un pôle de mobilité pour un site d'économie sociale. On a financé la formation maraîchage sur le site de Jumet, donc les projets que j'ai déjà cités précédemment. Et donc, on est vraiment globalement aussi sur un jardin de quartier, mais des projets assez installés ou dans une dynamique forte. Et donc, ces porteurs de projets ont appris au mois de décembre qu'ils étaient sélectionnés. On a sélectionné 8 projets sur 24. On a laissé la porte ouverte à qui le souhaitait pour la campagne de mobilisation, qui revient donc à profiter d'un deuxième élan Proximity au frais, qui est comment faire connaître son projet, comment mener un crowdfunding, comment mobiliser les troupes autour de ses besoins, et donc pas que financièrement, mais aussi un appel à bénévoles, un appel à matériel. Et les gens, se sont pas mal soutenus les uns les autres grâce à ça. Et donc, cette campagne de mobilisation a été suivie par 9 projets, donc 8 lauréats plus 1. Et elle s'est clôturée fin avril. Donc là, on est en train d'en tirer les conclusions et de préparer tout doucement le lancement de l'année prochaine. Et globalement, on en est tous super satisfaits et que la dynamique continue. Voilà. Merci. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions par rapport à ce qui a été présenté? En tout cas, juste par rapport à ce qui a été, merci beaucoup Hélène, aussi comme aux autres, mais donc par rapport à ce qui est passé dans le chat, il y avait une question sur l'aspect budget ordinaire ou extraordinaire utilisé dans les communes, et donc il y a plusieurs réponses qui sont arrivées. Certaines communes ont ça dans leur budget ordinaire, d'autres extraordinaire, d'autres c'est une combinaison des deux. Donc voilà pour ceux qui n'auraient pas vu dans le chat. Et par ailleurs, monsieur Shun a mis les critères du jury de Namur dans le chat également. Oui, vas-y. Oui, je me permets encore, comme on a la chance d'avoir Hélène avec qui j'ai travaillé sur Charleroi qu'on a son témoignage. Vu que Charleroi va entamer une année 3, c'est peut-être intéressant d'expliquer les différences, les conclusions entre l'année 1 et l'année 2, puisque beaucoup de personnes ici
Enfin voilà, vous êtes les témoins idéaux, on va dire. Ah oui, c'est puisque, une question. Vous avez fait une année 1, une année 2 et vous allez entamer une année 3. Oui. Mais donc, pour entre la première et la deuxième année, on s'est rendu compte de l'importance de communiquer. Ça avait été un petit peu notre point faible la première année, qui explique sans doute le fait qu'on n'avait que 7 projets. Le temps de faire vraiment connaître la dynamique. Et notre retour, pour nous, le point vraiment positif, c'est cette combinaison entre l'événementiel qui réunit les gens dans un cadre plus festif, plus convivial, et la dynamique de soutien financier qu'il y a derrière. Parce qu'il y a vraiment cette envie de fédérer et de mettre en lumière. Donc parfois, des projets qui choisissent de faire la campagne de mobilisation n'ont pas reçu d'enveloppe de la ville de Charleroi, mais par contre, ils bénéficient de toute la publicité qu'on peut faire donc régulièrement sur les réseaux sociaux ou dans la presse. On parle des acteurs de la transition. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a trouvé très important. Et de ne pas le faire one shot quand on donne l'enveloppe, mais d'intégrer ces personnes à un réseau qu'on remobilise régulièrement grâce à Biplanet, et puis qui, au niveau de la ville, s'intègre dans un mailing, si on veut, d'acteurs de la transition qui reçoivent à chaque fois donc des invitations communes et qui sont à chaque fois resollicités quand il se passe quelque chose autour de la transition. Et donc, à chaque fois, on a envie d'aller un petit peu plus loin. Et donc, pour l'année 3, dans le cadre du festival qui aura lieu, on souhaiterait organiser une formation « Comment faire passer ma ville en transition ?» On entend souvent les villes en transition. Charleroi en transition, c'est une structure qui n'existe pas encore, mais qui permettrait aussi de fédérer tous ces acteurs. Parce que dans l'idéal, ça finira par s'autogérer et la ville aura donné joué son rôle de tremplin, mais ensuite, peut-être distribuera des enveloppes, mais laissera la gestion générale à d'autres groupements. Pour l'instant, on ne sait pas encore vers quoi ça peut tourner, mais on a vraiment envie qu'il y ait ce réseau qui naisse et qui s'autogère à Charleroi. Et c'est ce qu'on voit principalement, le fait de le faire d'année en année. Maintenant, c'est connu des citoyens à Charleroi, ils attendent Proximity. On reçoit même des demandes spontanées pour participer, par exemple, à la journée du festival et présenter le projet. Et donc, ce qu'on voulait, à savoir fédérer les acteurs du territoire et qui sentent que la ville avait envie vraiment de s'investir et de les soutenir, ça a l'air de fonctionner. Et ça, je pense que c'est la récurrence du soutien. Merci pour votre réponse. Et je vois qu'on a mis dans le chat, Namur entame effectivement aussi son année 3. Donc, a priori, il y aura un nouvel appel à projet édition 3 à Namur fin de l'année. Et Andenne aussi en est à sa troisième édition. Et donc, effectivement, d'année en année, dans les budgets participatifs, on apprend de l'année précédente, comme Oupay en a déjà parlé aussi. Oui, Hélène, tu veux... Oui, j'avais envie d'ajouter une petite chose qu'on a trouvé vraiment importante cette année. C'est qu'en fait, dans les 24 projets qu'on a reçus, il y avait beaucoup de projets qui avaient des bonnes idées, mais qui n'étaient pas assez orientés transition. Je donne un exemple, c'était très chouette comme idée. C'est une maison de jeunes qui voulait emmener les ados sur les terrains de Charleroi, donc avec acheter des vélos. Et en fait, ils achetaient des vélos neufs à 500 euros. Et ce qu'on aimerait bien, c'est accompagner en amont, lors de l'appel à projet, ces porteurs de projets, pour ficeler leur projet vraiment dans une dynamique de durabilité. Et donc, typiquement, si je prends cet exemple-ci, on aurait suggéré qu'ils se mettent en lien, par exemple, avec un Repair Café, qu'il aurait en plus accompagné les jeunes dans la rénovation du vieux vélo, pour qu'il y ait cette prise en main plus complète de cette composante transversale de la transition. Donc, c'est un projet qui n'a pas été soutenu, mais l'année prochaine, on va organiser des ateliers avec Biplanet dans l'accompagnement des porteurs de projets. Et si ce type d'acteur vient nous voir en parlant de son projet vélo et qu'on leur dit super, mais alors intégrons une dimension rénovation des vélos par les jeunes, alors c'est un projet qui sera d'office soutenu. Mais voilà, on a trouvé que c'était important de proposer aussi cet accompagnement en cours de route pour vraiment cibler... aider à concevoir cette dimension plus générale qui est l'environnement, la solidarité, etc. Pas que la balade sur les terrains. Ça va, merci. On arrive tout doucement au bout. Je vois qu'il y a encore une question sur les appels à projets ciblés sur un quartier en particulier. Je ne sais pas si ça s'adresse particulièrement aux communes ou à nous. En tout cas, en tant que Biplanet, on a déjà fait des appels à projets nationaux, par exemple, ou contribuer à, ou régionaux, dans certains cas, qui sont à l'initiative d'autres types de structures, comme des fondations, Greenpeace ou le WWF. Et donc, ça, c'est une échelle plus large que la commune. À l'échelle d'un quartier, on n'a
pas encore expérimenté, mais oui, Hélène. Non, on a, si vous voulez un ou l'autre exemple, on a soutenu un collectif assez créatif à Charleroi dans le quartier de Marcinelle qui a été très impacté par les histoires du trou. Ils ont proposé d'améliorer le cadre de vie du quartier au niveau artistique et visuel. Et donc, ils ont dessiné une fresque, ils ont voulu végétaliser les rues. Et donc là, c'est vraiment un quartier qui était soutenu par un projet. Mais donc, des projets qui ciblent vraiment un quartier, chez nous, ça a très bien marché. Voilà. Voilà, mais donc, c'est des projets qui ciblent un quartier, mais pas des appels à projets pour un quartier. Donc... Ah oui, c'était un appel à projet pour un quartier, la question ici. OK, pardon. Mais pas de souci. Et donc, j'aimerais encore rajouter pour l'aspect participation dans tous ces processus de budget participatif, comme on le voit, il y a plusieurs manières aussi de faire participer le citoyen. Parce que donc, on parle d'inclusion, de participation. Il y a effectivement le fait de répondre à un appel à projet en rendant un nouveau projet, ce qui est peut-être pas accessible toujours à tout le monde et pas toujours évident. Mais là où on peut élargir la participation, c'est grâce à d'autres mécanismes comme la participation de citoyens dans le jury ou le vote, par exemple. Donc ça, c'est vraiment aussi... On peut intégrer un public plus large à différentes étapes de ce processus de participation. Mais comme on aime Bi-Planète à rester dans nos horaires prévus et vous libérer aussi pour manger, on va clôturer ici. Maintenant, je pense que vous avez nos coordonnées. On vous renverra un mail avec l'enregistrement du jour. Comme ça, si certains de vos collègues ou autres veulent le visionner, c'est sans problème. N'hésitez vraiment pas à revenir vers nous si vous avez des questions, même si c'est vers d'autres témoignages, on vous met en relais. On aime faire des liens entre les différents acteurs, donc n'hésitez pas à nous recontacter. Donc voilà, merci beaucoup, bon après-midi, bon appétit à tous. Merci beaucoup. À une prochaine. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.